Je sais pas, 6 euros d'euro. 6 euros d'euro. Mais là, tu vas encore une commune. Une minute. Deux. De quoi ça? De quoi? Ben oui. Ben oui. Mais attends. Voilà. Sur les 8, on a eu 26 pour et 2 contre. C'est que en deux mots, on a fusionné avec le Vigan. Non, on n'a pas fusionné. Donc, on part avec le projet de territoire avec le Vigan. Et là, ça sera pour le tourisme. Et là, j'ai un petit ami qui m'a fait. On va commencer, c'est l'heure là. Moi, j'ai 6 heures. 58, moi. J'ai. 58. Et il y a un contenu, la commune, cela justement, c'est un contenu. Mais le projet que je vous ai donné, là. Des débats, non, mais des discussions. Non. Par exemple, on a voté. Est-ce qu'il y a eu des deux qui étaient contre? Est-ce qu'ils ont argumenté? Ah non, non. Attends, il y a un autre, je m'en fais le plus. Séance ordinaire du 12 avril 2017. L'an 2017 et le 12 avril à 14h, le conseil municipal du Mans convoqué en séance ordinaire s'est réuni dans les lieux habituels de ces séances sous la présidence de M. Régis Bourrilimère. Présent, Yvan Lager, Bernard Monlérac, Yvan Van Mal, Jean-Claude Nau, Caroline Vicini. Absent, Gilbert Blanc, Jean-Jacques Guittard, Claude Tersinger, Isabelle Monté, Camille Adu. Monsieur le maire donne lecture du compte rendu de la dernière séance. Voté à 6 voix, Lager, Monlérac, Nau, Valmal, Borrelli, Vicini. Budget primitif commune 2017. Monsieur le maire donne lecture du BP de la commune. Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 793 715,63 euros. Les dépenses et les recettes d'investissement s'élèvent à 566 197,0 euros. Le vote donne le résultat suivant. Vote 6 voix, Lager, Monlérac, Nau, Valmal, Borrelli, Vicini. Budget primitif, eau 2017. Monsieur le maire donne lecture du BP de l'eau. Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 243 407,70 euros. Et les dépenses et les recettes d'investissement s'élèvent à 399 841,38 euros. Le vote donne le résultat suivant. Pour 6 voix, Lager, Monlérac, Nau, Valmal, Borrelli, Vicini. Budget primitif, assainissement 2017. Monsieur le maire donne lecture du BP de l'assainissement. Les dépenses et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 59 070,55 euros. Les dépenses et les recettes d'investissement s'élèvent à 170 020,58 euros. Le vote donne le résultat suivant. 6 voix Lager, Monlérac, Nau, Valmal, Borrelli, Vicini. Voilà, c'est bon. Maison Le Devoir. Suite à la décision de vendre la maison T et située Le Devoir, Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a reçu deux ordres. La Loubatière a fait une offre à 41 000 euros et Madame Lebralin a fait une offre à 40 000. Le maire rappelle au conseil municipal que des travaux sont à prévoir et notamment la toiture à refaire. Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à 6 voix pour Lager, Monlérac, Nau, Valmal, Borrelli, Vicini et de retenir l'offre parvenue au premier en mairie, qui est celle de Madame Lebre. Fin de séance, 14h55. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Procuration Valmal. Oui. Voilà. Ouais, oui. Bon, ouverture au dépli de la route communale, des routes communales de le pont Marès, un morceau de la Combette. Ah ben, je les ai donnés à Guitard. Je les ai donnés à Jean-Jacques. Avec elle. Ben, c'est celui-là, les budgets. Je te les ai donnés l'autre fois. Tu les as pris. Pour moi, sinon. Oui, ah non, mais moi. Ah. Oui, mais tu vas aller chercher, hein. Ah non. Bon, première en Europe, tu veux. C'est pour là-haut. Là. Ça se fait que ce ne soit pas la commission d'appel d'offres. Mais on en profite tous qu'on soit là. C'est pour ça.
On est là, on les ouvre, hein. Et ça fait partie que les ouvrir. Voilà. Mais c'est quoi les groupes communaux, les conseils avec les groupes ? Je te l'ai dit, Nogaré, le Pont Marès et un morceau de la route de... qui descend chez Sarah Guitare, que l'eau va chez eux, et on va goudronner. Bon. Mais alors ça, c'est... Là, non, mais après, on fera après. Non, mais parce que je le redis, chaque fois je le dis. Non, non, mais attends, oh. Attends. Non, attends, c'est très bien. Le mas, attends, chaque fois son tour, on vient de faire le mur, tout. On fait par morceau. Colas, midi, Méditerranée, c'est. Colas. Oui. Midi, Méditerranée, voilà. Alors. Alors là, on est à l'appel d'offre de chemin. Colas Méditerranée, il a marqué. Ça va ? Alors, il y a la route de Nogaré, la route du Palmarès et la route de la Comète pour un montant de... Tu marques, hein ? Pour un montant de 76 750 euros hors taxe, soit 92 100 euros. C'est bon ? Je reprends bien. Ok. Allez, on va. C'est bon. Vas-y, c'est une bague. C'est grave. Hein. Giro. Alors, l'entreprise Giro. Il a envoyé des trucs de des factures. Oh, c'était cool. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est annulé ça. Bon, on annule, on recommencera la peine d'offre. Ça aurait le coup, 1300 euros. Non, allez, on revoit. Non, mais vous êtes trop. C'est peut-être une facture pour nous. À ce moment-là. Oui. Ah, mais il y a une autre facture, ça ne va pas. Oui. Il n'y a pas une autre lettre ? Non, il y a... Non, mais c'est bon. Non, mais ça, c'est peut-être une facture à payer. Ah, mais oui. Moi, je crois que... Alors, tu comprends ? Ils ne mettent pas appel d'offre dessus. Ils ne mettent rien. Alors, bon, mais... Ah, tu as cru que c'était... Oui, non. Non, ils n'ont pas participé à l'appel d'offres, si je comprends bien. Mais ici, il est venu le voir. Ah bon ? Il est venu voir le chemin. Alors, il y a un problème avec le secrétariat, peut-être là-bas, oui. Chez eux, là-bas, je ne sais pas. Non. L'autre, c'est Lottier Moussac. Oui. Oui, peut-être que les deux lettres. Oui, peut-être qu'ils ont interverti, ça arrive. Hein. Il y a 46 537,50 € et 56 800. Comment te dire, moi j'aurais aimé d'avoir l'offre de Giro. Hein. Mais il n'a pas répondu. Non, mais comme disait Pablo, peut-être que comme on ne pouvait pas identifier les lettres, peut-être qu'il y a eu deux lettres, une avec la facture, une avec la facture. Non, mais moi. Non, mais. Si elle a arrivé le 4 et que l'autre est arrivé, je ne sais pas, le 3 ou le 2 et que. Non, mais c'est pas une erreur. Elle aurait vu Martine. Non, oui. Il n'y a rien à peindre comme courrier là. Non, mais... Ah, et non, mais... eux, ils ont... Enfin, moi, j'ai cru que c'était l'appel d'offre, hein. Alors, il... Non, mais il est venu le voir. Alors, moi, j'aurais aimé que le troisième... Ah, mais moi, j'annulerai le truc, hein. Tu l'annules, ça, Giro ? Non, j'annule l'appel d'offre. T'annules les trois. Non, je suis pas pressionné pour l'entreprise, hein. Non. Non, mais c'est pour défraîcher. Hein. Tu vois, 5 000 euros, dis. Mais moi, j'en ai. Et là. Là, il y a 50, 50. Ouais, mais moi, attends, moi, il y a une troisième enveloppe. Ah, mais vous n'aviez pas, là. Eh bien, moi, je le déclare infectueux. Hein. Je le déclare. C'est pas infectueux. Ah, mais moi, il y avait une troisième enveloppe. C'est qui te l'a pas donné, si tu l'as pas donné. Mais. Il a répondu.
Il a répondu. Il a répondu. Mais bon. Non, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Au lieu de mettre ses factures, il a mis. Une erreur, ça ne compte rien. Non, encore la mode. Ça sent que dalle. Qu'est-ce que j'en ai. Les entreprises qui ont répondu, on prend une des entreprises. Mais moi je m'en fous. On n'a pas relevé le prix de l'autre. Mais moi je m'en fous. Ah, mais c'est peut-être l'autre. Mais si l'autre il est moins cher, quand même. Mais moi aussi je peux le faire à zéro. Mais je n'ai pas répondu, je ne vais pas le faire. De toute façon, c'est plus possible de faire une nouvelle approche, puisqu'on a déjà repris le prix. Troisième, il connaît les prix. Oui. Non, mais attends. Parce que moi, je ne vois pas les enveloppes, Giraud, moi j'ai dit c'est l'appel d'offres, comme il est venu le voir, n'importe quoi là, hein. C'est des merdes, il n'a pas envoyé comme il a voulu. Peut-être qu'il a choisi de parier. Il n'y a rien d'orienté, c'est qu'il est venu voir les travaux. Il est venu voir les travaux. Mais on ne peut pas dire que la belle d'offre est classique. Mais de toute façon, je ne mets pas 100 000 euros là-dedans. Hein. Il met le Langobé à choix. Est-ce que nous, on avait estimé les travaux, on avait dit combien à peu près ? Mais c'était eux, les devis qui les faisaient. Mais non, parce que les travaux, on ne va pas estimer les travaux. Mais moi, je suis compétent à mon prix à moi. Mais moi, j'ignore. Mais moi, ce que j'aurais aimé savoir. Entre 40 et 45 000. Mais là, en plus, il est mieux, celui-là de devis au moins cher. C'est même pas ça. Non, mais tant pis pour eux. C'est qu'on est venu, il est venu voir les travaux, tous ils sont venus voir. Mais si. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'a pas répondu. C'est le tiers. On ne peut pas. Si il y en avait, c'est complètement con qu'on aurait pu savoir le prix de Giraud. On choisit le moins disant, ces travaux sont dans le cadre, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de subvention cette année. Oui, parce que ça ne correspond pas aux intempéries, quelque chose comme ça. Non, pas cela. Moi, j'ai fait passer tout. Et l'argent des intempéries On va balancer, on va ramasser toutes les factures et on va les balancer. On va balancer le mur, toutes les bricoles qui se sont faites, Tourgueil, le chemin de Fournier qu'on a fait, je le mets dedans. Et le chemin du Mas, il n'y a pas. Les travaux du Mas. Oui, mais toutes les bricoles qu'on a faites, le ciment. Le mur, il y a. Mais le mur. C'est après tes garages, là. Et bien le mur. C'est affaissé quand même. Mais le mur, ça a été fait. Non. Là où ça a été affaissé, ça n'a pas été fait. Il y a pas ça à Castanier, quand même. Où ? Après ces garages, hein. Après les garages de tes parents, de ton père. Oui, mais dans la petite flash qu'il y a là. Le mur, c'est quand même bien. Mais ça, le mur, on verra quand on aura de la. Non, il n'a pas été pris en compte. Oh, attends, j'ai passé 15 jours dans la rivière pour faire l'état des lieux. Puis les types, ils sont arrivés par derrière. Je dis, ça me prend, ça me prend pas, ça me prend, ça me prend pas. Ah, mais ils sont passés déjà. Ça a duré un mois. Alors, ça c'est la facture. Donc, c'est juste plus raisonnable. Donc, tu fais voter là. Alors,
On retient au moins 10 ans pour la somme de... C'est le 155 euros. C'est 158, c'est le petit moussac. Et ouais. C'est bien prévu, là. Quoi? C'est bien tout prévu, là. Oui, 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 oui. Il n'est plus compris, celui-là. C'est le... Il y a le BHO qui n'est pas dans l'autre. D'accord. C'est que c'est le meilleur de vie, non pas le moins cher. Moi, peu importe, hein. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est venu voir des travaux. Mais oui, mais on ne l'a pas reçu. Bon, mais oui, je ne l'ai pas reçu. Ah, mais oui. On ne l'a pas reçu, c'est ça. Mais oui. Ah, mais oh, pas quoi, hein. C'est des merdes, hein. Donc, c'est l'entreprise, comment ça l'entier de Moussa. L'entier de Moussa. Alors. Vous la connaissez, cette entreprise? Eh bien oui, c'est eux qui ont fait là, déjà les travaux. C'est eux qui avaient fait les travaux. Ils avaient fait les travaux où? Qui avaient fait les travaux de Saint-André, là, le parking. Le parking? Oui, le parking. Après le restaurant, oui, la vallée. Ah non, c'était Loupi qui avait fait les travaux. Non, oui, donc moi j'ai tapé là, ceux que je connaissais, j'ai dit envoyer, et puis c'est bon. Mais... Bon, alors on retient le lotier Moussac. Bon. Alors, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Bon, attends, on ne mélange rien. Bon, c'est très bien. Non, moi, je vais me contenter sur le giro de Lautier ou de Dardanelle. J'en ai rien à branler, moi. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Non, mais c'est eux qui te font chier. Ils viennent te voir. Tu passes une heure et demie ou la matinée pour leur faire voir. Puis il y a une facture dedans. Alors, où est la facture? C'est du vide. Ah oui, ça va. Bon, on compte. Ah oui, oui, non, mais je vais la mettre sur ton bureau. Alors, c'est délibération et création du pôle territorial et rural Corse et Cévennes. Vous l'avez tous vu, le papier? Vous l'avez reçu? Alors, moi, j'ai un peu charcuté le truc, là. La communauté de communes Corse égale Cévennes a délibéré favorablement, en date du 5 avril 2017, à la création d'un PTER, nouvel outil de coopération intercommunale, instauré par la loi MAP. TAM. Ouais, MAPTAM. Non mais loi numéro tantan dit du 25 janvier 2014. Le PTER est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d'un même périmètre communal. Communauté de communes, Corse égale Cévennes et communauté de communes, Pays Viganais. Le PETR a pour but d'élaborer un projet de territoire définissant les conditions du développement économique, écologique, culturel et social du territoire et d'en défendre les intérêts. Les missions plus précises seront décidées par convention. Exemple, pour l'abattoir du Vigan, ce ne sera pas la communauté de communes du pays viganais qui décidera de la suite donnée, mais c'est le PTER. La loi de la... lors de la réunion du 24 février 2017, réunissant l'ensemble des maires à un large consensus, il est apparu que le PTER soit créé et qu'il soit en charge de la coordination du développement économique et touristique. Alors je vous propose de délibérer afin de valider la création du syndicat mixte qui portera le PTER, Corse et Cévennes d'approuver les statuts et autoriser la communauté de communes à adhérer à ce syndicat. Voilà. Nous, on va se mourir. Si la communauté a voté pour, oui. Pourquoi? Quoi? Si c'est les communes qui ont voté pour. C'est les communes. Mais pourquoi? Mais pour accepter de rentrer là. Pourquoi? Parce que. Est-ce qu'il y a une assurance fiscale? Est-ce qu'il faut pas payer quelque chose? Ah, mais attends, au niveau du tourisme et de tout. Putain, mais tu l'as pas lu, c'est ça là le projet. Je suis dans des précisions. Mais non, mais oui, il y aura des avantages. Hein. Il y aura plus d'avantages que si nous. Nous, on ne sera pas capable aux communes de gérer, c'est ça. Je comprends bien. C'est pour définir un projet de territoire.
ce soit, c'est pour, oui, et, pour... et que ce soit cohérent, voilà, et que je enfin, moi je pense que ça va dans le sens où peut-être en 2020 on va nous demander de fusionner, ah, mais... que les deux communautés de communes, comme elles ont déjà le projet de territoire, ça va mais oui. fusionner entre les deux. Mais pour l'instant, ça mijote. Il faut appeler le terre parce que le scope ne correspond pas au même scope. Bon, pourquoi ça. Mais donc, ça sera une charge nouvelle pour la commune. Et de moins. Non, ouais. Non. Il faudra financer ce PUPR. Ah, mais oui. Mais il y aura une participation, hein. Comme, participation. Comme dans tout, hein. Qui sera définie. Hein. C'est bien décrit, hein, je veux dire, dans le truc. Hein, là, le montage financier est décrit. Et ça sera géré par les impôts du Vigal, enfin, la présence publique du Vigal. Je sais, oui, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. De toute façon, en 2020, peut-être, on va tous fusionner en commune, alors peut-être qu'il n'y aura plus qu'une commune. Et c'est qui les deux membres qui ont été contre la... Mais je ne sais pas, moi. C'est anonyme, hein. Tu t'en souviens, Yvan? Non. Ils étaient même par contre. Ce soir, d'accord. Bon, alors qui s'abstient? Qu'est-ce que ça va donner, nous, par rapport à l'Office du tourisme? C'est eux qui... Mais ça sera en plus. Ça sera en plus. Ouais. Ça sera en plus. Tout sera en plus. Non, mais c'est eux qui vont gérer, du coup. Ah, mais oui, c'est eux qui ont la compétence. Je sais pas, ça me fait peur, mais je vois pas qu'ils ferment. Mais non, tout le contraire. Ouais. Tout le contraire. Il faut savoir, c'est qu'il y aura un comité de conseil qui sera composé de professionnels du territoire. Ben oui, c'est normal ça. Et de professionnels, des associatifs, des associations. Ben oui, mais comme avant, c'était notre. Comme quand nous on gérait l'Office du tourisme, il y avait les sociétés professionnelles qui étaient là. Hein. Non, mais c'est pas pour le tourisme ça. Hein. Oui, non, mais il y aura le tourisme. Oui. Mais j'espère que ça va équilibrer. Ah, mais écoute. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout là-bas. Et... Oui, voilà, c'est ce qui me fait peur. C'est ça le problème. Ouais. Parce que on s'éloigne au départ. Oui, mais admettons qu'on y a des repas. Admettons qu'on y a des repas. On est mort complètement. On a déjà arrêté. Oui. Oui, là, il n'y a plus qu'à. On y a déjà. Ouais. Non, mais là, il faut la déclaration. C'est alors, il faut savoir que c'est une charge nouvelle. Un montage syndical, c'est un organisme informel, de toute façon. Enfin, il a vraiment des désirs, quoi que ce soit. Mais enfin, il a des compétences, mais enfin, il ne peut pas décider de quelque chose, quoi. Enfin, à mon avis, maintenant. Je crois pas. Si, justement, c'est l'objet. Si, justement. On va passer au vote. Il y a un moyen de s'assurer que justement ça va pas être vidé, qu'on va pas se désintégrer. Non. Ça sera pas n'importe quoi. Hein. Celui qui va reprendre ça, bon Dieu. Oui, j'ai regardé. Il y a un autre Non, il faut espérer que nous trouvons des propositions à faire. Ouais. Ça, ce serait peut-être plus... Oui, voilà. Travailler dans ce sens-là. Ouais. Parce que c'est d'avoir qui sait que... Si on a un qui nous amène quelque chose d'ici, je veux dire, le rôle d'équilibre... Ah ben, ça sera aux élus à demander, hein. Attends, c'est comme quand il y avait le syndicat, d'électrification, le type qui disait rien. Moi, pendant 3 ans, j'ai tout raflé, parce qu'ils n'avaient pas de dossier. On a tout pris, hein. L'éclairage de Saint-André n'a rien coûté, hein, que je sache. Mais ça va bien, c'est quand, en fait, pour l'éclairage Il y en a pour 2 ans. Mais... Ah oui. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, on s'excuse, il y a une réunion à 18h30. Voilà, je lève la séance.